programme aujourd'hui, on va installer notre fond vert et nos spots pour tourner enfin cette vidéo de présentation de la mini-série. Non mais attends, t'es en train de me dire que t'as tout installé? Ouais. Là, t'as tout installé? Oui. Quand est-ce que t'as fait ça? Bah, juste avant. En combien de temps? En 5 minutes. Mais c'est incroyable. Bah, ce matin, j'ai fait justement les 4 spots pour l'installation électrique. Oui. Et là, on n'a pas terminé, on va encore... à préparer le stabilisateur et la caméra. Donc là, on va commencer à installer tout ce qui est le stabilisateur Ronin, le GH5, etc. Donc du coup, voilà le matos. Donc là, là, on a le micro, un objectif, une poignée, le fameux stabilisateur Ronin, un très bon stabilisateur, et la bête, le GH5. La bête ? Donc la bête est équipée d'une cage. En fait, la cage, elle va permettre la solidité. Donc là, je la pose. Donc, voilà. On a une sangle pour l'attacher et le micro qu'on va utiliser aussi. C'est une poignée. On va fixer ici, juste là, hop. Et ensuite, on va pouvoir faire des plans tout en tenant ici. Et au lieu d'avoir une seule prise en main, on en a deux. Plus de sécurité. Question, pourquoi on tourne sur un fond vert? Alors on tourne sur un fond vert pour faire une incrustation fond vert. Donc en gros, on va faire ce qu'on appelle un chroma key en vidéo. Donc tout, on va dire à l'ordinateur avec une pipette, on va dire tout ce qui est en vert, pouf, ça s'en va. Et donc du coup, tout ce qui va être là, ça va s'en aller. Et ensuite, Max va pouvoir introduire tout ce qu'il veut dans le fond vert. Est-ce que t'as appris des trucs ce matin? Ouais. T'as appris quoi ce matin? Bah, de filmer, comment parler, tout ça. Ça t'a intéressé? Ouais. T'aimes bien faire des vidéos? Ouais, j'adore. Est-ce que t'as un truc à ajouter, Nolan? Un check. Vas-y.